Bonjour Sarah, je voulais vous dire merci de venir ici avec nous. Nous sommes venus avec vous parce que vous êtes notre professeur, mais aussi que vous êtes connu pour les ressources dans la culture française en littérature du 6e, du 7e et du 18e siècle. Vous nous dites aussi qu'en plus, vous êtes spécifiquement intéressé en le théâtre aussi. Comment décrivez-vous votre domaine d'expertise? Alors, c'est une bonne question. En fait, je dirais que ce qui motive en tout cas mon approche de, disons, de l'histoire culturelle du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est la curiosité d'abord et l'envie de travailler sur des formes, que ce soit des formes littéraires, des formes théâtrales, voire des formes de communication qui sont ancrées dans l'actualité. C'est pour ça que j'ai fait une thèse d'abord sur les portraits. J'ai travaillé sur les portraits littéraires de femmes et c'était un jeu en fait. Donc ces femmes entre elles se faisaient des portraits et ça avait une fonction politique. Et évidemment, en travaillant sur les femmes et sur les portraits, je travaillais sur des figures mineures, considérées en tout cas comme mineures par l'histoire culturelle, c'est-à-dire des femmes qui prennent la plume, qui essaient de faire un travail d'auteur, de manière évidemment comme des amateurs, et sur un genre qui n'a pas vraiment été retenu par l'histoire littéraire et culturelle. Donc j'ai toujours été, j'ai suivi un cursus qu'on dit de littéraire, et je me suis toujours intéressée à des formes plutôt culturelles, et qui faisaient sens dans le temps présent. Donc ces femmes, lorsqu'elles se portraituraient, elles le faisaient. Parce qu'elles étaient exilées du royaume, parce qu'elles avaient aussi besoin d'avoir un rapport à qui elles étaient et comment essayer de comprendre leur intériorité et aussi leur apparence physique, évidemment. Donc, ça, c'est vraiment des formes inscrites dans une actualité. Puis, petit à petit, j'ai commencé à travailler sur le théâtre, à m'intéresser au théâtre et à travailler toujours avec cette idée que ce qui m'intéressait dans le théâtre, c'était véritablement la question de... l'actualité, comment on met en scène l'actualité au théâtre, que ce soit une actualité désastreuse comme des catastrophes, ou que ce soit une actualité anecdotique. Et en même temps que je m'intéressais à ces questions-là, j'ai commencé aussi à travailler sur la presse, puisque je m'intéresse à l'actualité, j'ai commencé à travailler sur la presse d'actualité, bon pour le coup, la presse culturelle, dans un cadre, disons, de recherche postdoctorale. Donc j'ai fait un postdoctorat qui a été financé sur la critique des arts dans la presse. Et donc j'ai travaillé sur comment on reçoit des pièces de théâtre, mais aussi des œuvres dans la presse, comment on les commente, etc. Donc toujours en faisant, je fais toujours des petits pas de côté, en quelque sorte. Je m'intéresse aux discours de réception plutôt qu'aux œuvres elles-mêmes. Je m'intéresse à des œuvres d'actualité qu'on n'a pas retenues. Donc, ça a toujours été un peu ça qui a motivé mon travail. Ma vie, elle est comme ma recherche, c'est-à-dire, elle est faite de détours, d'une envie d'aller dans cette direction. Et donc, comme mon enseignement, un peu. Et donc, je suis arrivée là-dessus en travaillant à la fois donc, sur le théâtre, sur la presse, sur les formes. Disons de performance en lien avec l'actualité. C'est la curiosité, les rencontres et l'envie de pas m'enfermer. Par exemple, par rapport à ça, aujourd'hui, je donne un cours sur la nature et l'environnement dans l'histoire culturelle du Moyen Âge, du Moyen Âge de l'Antiquité, plus devrais-je dire, à nos jours, en interrogeant la notion de nature. C'est des éléments qui m'intéressent beaucoup. J'ai travaillé sur la piraterie. Donc, j'ai pas envie de m'enfermer parce que, en fait, quelque part, quand un phénomène m'intéresse, j'ai envie de pouvoir y aller. Vous avez parlé du monde que vous avez habité à Paris. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a. Quand vous avez déménagé ici à Victoria, comment avez-vous trouvé la communauté francophone ici? En fait, bon, d'abord, il faut dire que je n'avais jamais imaginé dans ma vie que j'allais vivre à Victoria. Donc j'étais à Paris, on s'est dit, allez, on déménage, je faisais des post-docs et des post-docs, et puis à un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire dans la vie à part de faire de la recherche? Je pourrais peut-être devenir prof d'université, puisque en fait, tout m'amène dans cette direction.
Mais en France, c'est un milieu extrêmement fermé, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'est l'heure de rentrer chez moi, au Canada. Oui. Donc, et j'avais aussi un petit garçon qui est arrivé. Donc, je me suis dit, bon, bah, mon fils, ce serait bien qu'il vive quand même un peu, pour peut-être un peu ou longtemps, en tout cas, sur le territoire canadien. Et donc, on a décidé de partir, enfin, avec ma famille. Et on est arrivé à Montréal en se disant, bon, ben, on ne sait pas. Bon, moi, j'avais un postdoc à Montréal. Je me trouvais toujours quelque chose. Mais j'avais envie un peu de stabiliser, puis j'avais envie de commencer à transmettre un peu aussi. Parce que faire des postdocs, c'est beaucoup de la recherche. Tu écris des articles, tu es un peu dans ton coin, tu partages que avec des experts. Mais tu n'es pas beaucoup dans la transmission avec des gens qui dans lesquels tout est ouvert. Et donc, j'avais envie de partager, quoi. Et du coup, je me suis dit, on va aller voir si je peux devenir prof au Canada. Et donc, j'ai postulé à Victoria. Je me suis dit, bon, je ne savais même pas trop exactement. Je savais à peu près où c'était quand même. mais bon, donc là, on s'est dit, OK. Donc, je suis venue faire cet entretien. Et je me souviens, j'ai dit à mon compagnon et à mon fils, peut-être que vous devriez venir voir, parce que c'est quand même super loin de Montréal. Hein. Et du coup, ils sont venus. Après, c'est vrai que moi, mon coup de cœur à Victoria, c'est pas la communauté francophone, c'est le territoire. Ah, d'accord. Je trouve que je dis pas que la communauté francophone n'est pas bien. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui, moi, me manque au sens, me donne envie d'être ici, c'est le territoire. Je trouve que ce territoire est... En tout cas, par rapport à ma sensibilité, à ma curiosité et aux politiques, il me semble que c'est un territoire d'une richesse hallucinante. Et après avoir vécu pendant 15 ans à Paris, dans le béton, et dans une ville extrêmement populeuse, c'est comme un changement de vie radical, assez radical. Mais c'est bien. Donc, donc, la communauté francophone à Victoria, si vous voulez, au départ, je n'ai pas eu une grande curiosité. Okay. Moi, je suis arrivée, je suis devenue prof, et je n'étais pas spécialement en train de me dire « il faut que je rencontre les francophones ou les anglophones ». J'allais surtout en forêt, je dirais, rencontrer les arbres. et puis, bah, petit à petit, avec les années, là, je suis ici depuis 2016, okay. Je comprends qu'il y a une communauté, que c'est intéressant, et c'est bien de partager, puis qu'elle est vaste et elle est variée. Donc, je fais partie du CA, du conseil d'administration de la radio. Donc, j'essaie quand même de petit à petit, mais je dirais que ça se fait plus maintenant que je me sens un peu ancrée dans le territoire. Donc, merci encore pour parler avec nous, de nous parler de votre recherche et de votre vie. Nous savons que vous êtes tellement occupée en ce moment, dans ce semestre. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes tellement gentils.